Inazuma Eleven Go Chronostone, le dernier jeu de la série. Voilà, c'est l'un des jeux de mon enfance, c'est celui que j'ai le plus joué, et aujourd'hui j'y rejoue, mais en version aléatoire, c'est-à-dire que tous les personnages, leurs stats, les techniques, les types et encore beaucoup d'autres choses sont aléatoires. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Et je vous ai mis une vidéo tuto en description qui vous explique comment faire son propre random sur Chronostone. Sur ce, passez un agréable moment devant cette vidéo. Bon allez, c'est parti. Le jeu est une œuvre fiction, voilà. Donc il faut pas reproduire. Les techniques et les entraînements visibles dans le jeu sont imaginaires. N'essayez pas de le reproduire. Je le savais pas. Mais non. Mais non. Mais non. On m'a menti depuis le début? Non, c'est pas vrai. Le petit Wu, il est magnifique. Milieu de terrain. Il possède esquive acrobatique et tornade de feu. Et... Surtout son esprit guerrier. Feng Yushang, bon, on s'en fout. En vol du phénix, ça je peux pas changer. Ça j'ai pas pu changer comme sur Galaxy. Mais là, Omni Boost augmente de 15 les aptitudes des joueurs de l'équipe. Donc c'est un boost sur tout le monde, sauf PEPT. Bon, mais déjà joue de ça, c'est broken. Joue de ça, c'est broken. Et après, en termes de stats... esquive acrobatique et tornade de feu. Franchement, pour l'instant, c'est claqué au sol. Et ouais, le football, il a disparu. Là, c'est Ricardo. Encore lui. On l'a vu dans le dernier épisode. Ce gars-là, en aléatoire, c'était Gabi. Oh, c'est qui, lui? Oh, c'est Samgook. Oh, la gueule de Samgook. Attention Alpha. Je ne sais pas pourquoi tout le monde agit bizarre. Ok. Affirmatif. Game. Bon, Alpha, il est pas dégueulasse, mais il est pas. Non, ça va. Il a un peu le flow. C'est juste les petits trucs sur les joues. Bon, ça ressemble à rien du tout. Oh, crie plus fort. Oh, lui est rentré dedans. Le petit toutou. Arion, tu vas mourir. Tu vas canner. Je suis en train de revivre le jour. Et ouais. Ne cherche pas à comprendre. Regarde la triste vérité. Le football, il va changer. Oh, la dégaine, elle a couru comme ça. Mon amour pour le football est né. Quand ce ballon m'a sauvé la vie, j'ai décidé de la consacrer au football. Et hop, la planche. Oh là là, le tir d'Axel versus le tir d'Alpha. Oh, ça a été contré. Oh non, Ario, il s'est pris la planche en bois. Il est mort. Ah, il s'est fait bolos. Ah, mais je crois qu'il va se faire bolos beaucoup de fois et après fail, il va arriver. Voilà, c'est ça. Ah, le problème, c'est que c'est la cinématique. Oh, attends. Nobunaga, c'est encore le goal adverse. Attends. Oh, c'est une dinguerie. Est-ce qu'on peut voir les autres? Après, je connais pas. Il y a un barbare d'élite. Non, c'est pas un barbare d'élite. Il y a Gragas dans l'équipe en face. Il est temps de sortir du tonneau. Oh. Oh. Il est pas dégueulasse. Franchement, le chara-design, il est stylé. Vraiment, je kiffe. Je sais pas c'est qui. C'est un vieux personnage secondaire, mais la vérité, il est stylé. Comparé à Samgook. Waouh. On respire parce qu'il y a des trucs à analyser là, hein, vraiment. Bon, déjà Faye, l'âme des ténèbres. Ok, Belek, pourquoi pas. Ensuite, on a la tour. La tour, c'est une technique néant. Et il y a les joueurs de type néant. Donc le néant, il est stabé. Alors, je sais pas ce qui me choque. C'est le fait qu'il y a personne. Il y a strictement personne. Ou le fait qu'il y a écrit qu'il y a marqué Beilong. Oh là là. Le premier shoot. La lame des ténèbres. Va-t-elle passer? Ah non, mon ref, c'est pas la bonne technique, mon ref. C'est pas ça. 49.
Bon, pas ouf. Vraiment pas fou. Allez, le Miximax. Le premier Miximax. Est-ce que ça va changer la couleur de cheveux ou ça va changer complètement le personnage? Bon, voilà, on a un nouveau Faye. Après, ils sont fatigués, mes joueurs. Ils sont claqués, hein. Dans les deux sens du terme. Ah ouais, ça tire à balles réelles. Allez, armure. S'il te plaît, mon gaillard, là. Ouais, 45, ça va. Waouh. Oh, l'armure, il est magnifique. Il a le flow. Et voilà, c'est l'arrêt. Ah ouais, c'est l'arrêt. Ah, pour... Waouh. Oh, la balle. La balle, elle est allée sur Namek. Oh, c'était quoi ce dégagement de Zinzin? Il a vu le tir. Il a vu le tir. Il a fait... C'était pour moi. Je vais l'arrêter. Boum. Quoi? Marc, c'est Lucien. Marc, c'est Lucien. Oh là là, Lucien. Il a enfin un rôle important dans le jeu. Oh là 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 là, sous-estimé Lucien. Eh bien, s'il n'y a pas de club de... Je n'ai plus qu'à en créer un. Eh ouais, vas-y Lucien, crée ton club de foot. Hors de tir 0-1. Je vais l'arrêter. Vas-y. Vas-y Lucien. Si je ne l'arrête pas, nous allons perdre. Eh ouais. Et ouais, c'est rude si le football il disparaît. Hein. Ouais, vas-y, crie plus fort, vas-y, canalise ton énergie. Wouah! Oh là 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 là, Lucien! Quel beau gosse! Il est pour moi, celui-là. Vas-y, Lucien! Montre-leur! Ah, magie de Hando. Main magique. 1. Mais comment ça? Marc a manqué son esprit guerrier. Elle est trop gaze la technique. Et voilà, ça rentre. Vamos. Bienvenue. Hein? Victor? Désolé de te décevoir, mais je ne suis pas Victor. Je m'appelle Vladimir. Victor, c'est mon petit frère. Oh. Oh, Victor! Oh! Vladimir, c'est Zadark! Mais non! Mais non! Le GOAT! Le GOAT de tous les temps! Il se fait remplacer par un autre GOAT! Oh là 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 là! Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Placez Vladimir sur le terrain. Ah, on va voir son esprit guerrier, son armure. Il a quoi? Ah, il est rainé par contre. Hein. Ah, il peut pas être aussi beau qu'aussi fort. Hein. Et voilà la tornade de feu. Chink. Fou 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 fou. Waouh, 382. Pas mal, pas mal. Uzi. Oh, la petite danse là comme ça. Je sais pas c'est qui. Mais attends, mais me dites pas que le gars qui est sur la droite, qui est Beilong Miximax Victor, c'est Beilong. Donc ça, c'est Ricardo. Ça, c'est Samgook. OK, on a Z. J'hallucine. Je pense que ça, c'est soit AD, Eugène ou le samouraï. Je sais plus son blaze. On a encore des robots, mais on a que ça, des robots. Tornade de feu. Tourbillon de feu. Ah ouais. Hein? Le temps s'est arrêté. Alpha. Mais qu'est-ce qui se passe? Déviation spatio-temporelle en cours. Arrête! Bas les pattes! Oh. Mm-hmm. Comment on se retrouve? C'est bizarre. Tiens donc!
récupération des données. Bien reçu. Alpha, c'est lui notre ennemi? C'est lui. Et tout le protocole Omega. Mode téléportation. Nous éliminerons tout obstacle sur notre chemin. Pour l'instant, t'as fait deux matchs et t'en as pas gagné un seul. Donc, tous les obstacles, pour l'instant, tu me fais plus chier qu'autre chose. Ah, ils volent jusqu'à Namek. Toujours Namek. Et voilà, même un critique, il peut rien faire. C'est l'ouverture du score de l'équipe de Raymond. La catastrophe. Oh mon dieu, libérez Zanark. Libérez Zanark s'il vous plaît. Oh yes, le flou il est de retour. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ah non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Aïe aïe aïe. La mention du serpent, faut que ça passe. Oh non. Allez, crit. Crit, tu peux le faire. 378, je crois en toi, tu peux le faire. Allez, champion, allez. Ouais, allez, ouais, ouh. Attaque ressort. Le dernier, c'est Arion. Bon, bah ça va, on a remonté quand même. On a remonté au score. On a fait quelques buts. Ouais, on a réussi. On va affronter le protocole Omega 2. Donc ça, c'est bêta. Oh, la gueule de bêta. Il y a eu du changement. Nous en avions bien besoin. Appelez-nous désormais le protocole Omega 2.0. Ouais. Enchanté. Ouais, 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 ouais. Enchanté, hein. Ouais. Placer Arion sur le terrain. Bah tu m'étonnes, c'est mon meilleur joueur. Attends, mais c'est quoi ça? ça, c'est le fameux personnage invisible. J'ai un personnage invisible. Ah oui, mais je gagne comment là? Je suis censé gagner comment? Non, mais parce que je veux bien tout ça, la difficulté. Il y a le challenge et tout. Mais je commence un match et il y a 8-0. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas ça. Hein. Je dois faire comment? Je peux gagner ce match? Je dois le gagner ce match? Voilà. C'est fini. Moi, je veux bien être du style en mode on n'abandonne jamais, mais mon ref, il dépasse un peu techniquement, physiquement, mentalement. Oh, Marc! Et voilà! Il a dit main céleste V, pas 5! Oh, quel beau gosse! Pour nous, on ne peut rien faire! Allez-y! D'accord. Ah, oh, Marc! T'es vraiment le meilleur! T'es vraiment le meilleur! T'es vraiment le meilleur! Non, mais. Arion, c'est le. Arion, il casse les couilles! Le mec, il vient de se faire bouillave! Par ses ennemis, il vient de se faire bouillave. Hein. Vraiment, c'est pas comme si, tu vois, il avait pas déjà... Tu vois, il s'est jamais frité contre ses ennemis. Le mec, il vient de les affronter. Il vient de se prendre une raclée monumentale dans le milieu où c'est censé être le plus fort. Tu crois que tu vas faire quoi? Vraiment, tu crois que tu vas faire quoi? Tu vas dire, eh, bah maintenant, en fait, non, t'es mauvais, c'est tout. Tu peux rien faire contre Beta, là, pour l'instant. Reviens plus tard. Si je m'en souvenais même plus de cet endroit. Là, j'ai pas un défi à faire. Ah si. Le protocole Omega. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est le commandant Guignou ou... Où ça se passe comment? Shink! Eh ouais, ça flop, hein. Tu dis ça parce que...
Attends. Qu'est-ce que c'est beau. Il est sorti de nulle part. Attends. C'est un esprit guerrier, fléau obscur. Oh là là. Oh mon dieu. Ah, Tescat. Ah, libérez Tescat. Oh non, libérez Tescat. Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est immonde. Non. C'est Kappa. Oh, le crime. C'est criminel. Ah, voilà, c'est bon. Ça fait la passe. Victor qui fait la passe. À Arion. Arion qui récupère le ballon. Qui se dirige tranquillement vers les cages. Monsieur Ours. Mais je suis pas un ours. C'est parti, mesdames et messieurs. Le Miximax entre Kappa, qui est Tescat, et Wu, qui est Arion, va arriver. Attention, j'espère que ça a été un truc stylé. Attention. Oh, mais ce perso, on le connaît. C'est stylé. Le perso, il est beau. Il est pas moche, hein. Vraiment. Comment il s'appelle. Ah, il s'appelle toujours Wu. Ah, par contre, les cheveux, ils traversent le corps. Enfin, pas cool, ça. Oh, la dinguerie, c'est Canis, le bras droit de Siméon. Ah ouais. Ah, t'es bien renseigné, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a un robot. Et ben, c'est un robot. Pourquoi lui, il est bronzé. Pourquoi lui, il est dans l'ombre. Regardez. Lui, il est brosson, lui. Lui, il... Ok, c'est parti, le terrain du musée. Attention, JP. JP qui sert à quelque chose en défense. Champ de mine. Bam, 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 bam. Mince. Allez, Sakamoto. Peut-être le deuxième dribble. Oh là là. Mais on peut plus l'arrêter, en fait. Non mais Arion, il a vu le ballon, il a vu, il a fait, ouais, moi j'ai, vas-y, fais-la moi. Fais la passe, regarde le ballon, il a fait. Oh mais non en fait, flemme, c'est bon. Tu me l'as pas mis dans les pieds, je la prends pas. C'était un peu claqué. Au maillot légendaire. Est-ce qu'on en parle ou... Ça se passe comment? On n'a pas eu le plus beau maillot. Oh non. Oh non. David, nous quitte pas. Regardez, ils vont capturer le maître exactement comme ils l'ont fait pour le coach Evans. Eh oui, bah fais quelque chose. Là, t'es derrière elle, balaye-la. Oh là là. La technique céleste de Monsieur Evans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il se transforme en Chronostone. D'où le nom. Monsieur Evans. Oh, ils sont relous. Oh, donne l'épée. Oh, t'imagines? T'imagines en fait là? Là, on a l'épée. On a l'épée, on peut trancher qui on veut. Techniquement, là, techniquement, Arion, il a un katana dans le dos. Il arrive. Regarde, là, il y a quelqu'un qui va vouloir me défier. Comme la fusion de Shaun et d'Axel. Voilà, qui se trouve juste devant nous. Et bah, hop, on lui coupe le. On va voir Maître Oda du coup. Oh. La luck, elle a frappé. L'éclair d'Inazuma est venu. Il est là, il est beau, il est magnifique. Le plan parfait. Par contre, Oda a dit quoi? Tu m'as trahi? Non, Belek, t'as ma confiance. Belek, quoi? T'as voulu me tirer mais trois fois d'affilée, mais tu m'as raté. Non, Belek, t'as ma confiance. Quoi? On déclare la guerre au football? Tu sais jouer au football? Oui. Moi, bon, t'as toute ma confiance. Bah c'est là maintenant qu'il va se faire Miximaxer Ricardo. Mais
La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Ricardo deviendra stylé? Ah, mais vu qu'elle va perdre l'esprit guerrier, ça va siffler la mi-temps. Et voilà, mais quel... Ah, punaise. L'esprit guerrier, il aurait pas dispawn. Il aurait pas dispawn, j'aurais pu tirer. Putain. Attention. Pitié, un truc cool. J'ai l'impression de faire une invocation sur Dokkan. Pitié à SSR. Bon, vous le trouvez comment? Moi, je le trouve... En vrai, ça va. C'est quand même rincé. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est nul, mais c'est déjà mieux que le Ricardo de base. Facile, hein. Même avec deux niveaux de retard. Attaque cyclique. Non, me dis pas que c'est gamma, ça. Oh, c'est gamma. Ça va, il est pas si dégueulasse que ça. Il a une belle houppette. Ça lui correspond bien, tu vois. Hop là. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, je savais que tu dirais ça. Tu voulais sûrement dire qui est ce majestueux guerrier? Hein? J'ai raison, hein? Quelle audace! Ah, je m'appelle Zanark Avalonik, l'inconnu venu de nulle part. Je savais que t'allais dire ça. Oh, Zanark! L'inconnu venu de nulle part. Je vous dirais bien mon vrai nom, mais plutôt mourir. Ok. Ça fait partie d'un gars de son équipe? Non? Non, c'est un gars de l'équipe de Gamma déjà Miximax. Mais ça va, il est stylé. Il est pas immonde, il est stylé. Espèce de crapule. Oh là là. Ah ouais. Oh, ça essaye de tirer sur Zanark. Mais seul Zanark peut taper Zanark. Particules élémentaires. Oh, c'est Broly. Il a crié, il y a eu un rayon magique qui est sorti de sa bouche. Alors, les minables, est-ce que vous reconnaissez enfin ma puissance infinie? Oui, Seigneur Zanark. Oh non. Bien. Gamma, t'étais stylé un peu, mais pas trop non plus. Et là? Oh là, mon pauvre. Libérez Gamma, s'il vous plaît. Libérez-le. Oh, ça invoque un vrai goal en plus, Las Vegas. Bon, ça tombe bien, on a l'avantage élémentaire. Oh, le... Oh, j'ai tiré vraiment au ras des pâquerettes. Et c'est le but! Wouhou! Je sais ce que je dois faire. Je ne suis pas le meilleur joueur de l'équipe. Et je ne le serai sans doute jamais. Mais je peux quand même contribuer à la victoire. Eh ouais, Gabi, il est nul. C'est lui-même, il a dit. Et la vérité, je suis pas le meilleur. Comment ça, t'es pas le meilleur? Comment ça, t'es pas le meilleur? Ça, c'est une mentalité de perdant, ça, hein, Gabi. Même si, là, tu vas glow up, tu vas avoir ton esprit, ton armure, tout ça. Non, c'est moi, je suis la muraille. Je vais défendre mes cages. C'est ça qu'il faut se dire. Eh, bouffon. Allez, hop, c'est parti. Attention, le nouveau Miximax. Attention. En vrai de vrai, il est stylé. C'est stylé quand même. Oh, le glow up. JP, si t'es champion. Ah non. C'est une cause perdue, JP. Vraiment. Vraiment, c'est une cause perdue. Allez, 3 minutes pour créer l'espoir. Faut marquer ce but. À tout prix. Et Ricardo. Hop. Hop, la passe en profondeur.
Allez, percer des halls. Dis-moi que ça passe. Yes. Elle est très belle la technique. Hop. Ricardo, la balle, la balle, la balle. Ricardo qui tire. Maintenant il faut que... Maintenant il faut que la boîte à surprise elle passe. Hein. Alors là... Ça fait du combien? 367. Ça peut passer. Ah, oh, ça passe. Si. Bah, easy, hein, en fait. On n'a pas galéré. On a gagné dès le premier coup. Carré dans l'axe. Arion. Ah. Ça fait longtemps. Ah. Belong, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Belong. Chapitre 6. Les trois... T'es la vérité, j'ai... Ouais, j'ai la chair de poule. C'est quoi ce bébé? Et il est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse. Certes, ça vaut pas le flow de Belong. Belong a un flow stratosphérique. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais par rapport à, par exemple, à son collègue à sa gauche, qui est Victor, voilà. Victor, tu vois, il a Glowdown. Belong, tu vois, bon, il a un tout petit peu Glowdown, un tout petit peu, un chouïa, un chouïa. La vérité, il est quand même stylé comme ça. Avec sa tenue et tout. Oh là là, c'est un système Minecraft. Il y avait de la redstone à l'époque. Mais ouais. Il n'y avait pas d'électricité en moins en 200 là, en Chine. Par contre, il y avait de la redstone. Hein. Ta ta ta, tu vois, répéteur, 15 sticks. Il n'y a pas 15 sticks. C'est... Qu'est-ce que je raconte? 2 tics et tout. Tu vois, ça c'est une porte no slime. En JP, il donne des conseils à Liu Bei. Hein. C'est pas l'hôpital qui se fout un doigt dans l'œil. Allez, ça passe. Waouh, waouh. Je suis sûr que j'ouvre mes volets. De Namek, je la vois la balle. Vous obtenez Fléau Obscur. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Allez hop, c'est Tipor, on affronte Zanark Domination. Ouais, il y a bien la sœur de Tescat, il y a Lancer. Pauvre Lancer en défense. Je trouve que sur YouTube, tu mérites au moins 100k abonnés. Moi, tu sais, j'ai pour habitude de dire que quand mon chat dit un truc, il a raison. Donc si tu le dis, c'est que tu as raison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je le ferai maximum pour qu'on les obtienne. Et que j'aurai mon petit cadre YouTube. Waouh. Waouh, Opale. Un dragon? Eh oui, c'est un dragon. Un dragon? Personne ne m'avait dit que ma femme nous rejoignait. Il va pas bien, Gamon. Va-t-il devenir stylé? Attention. Oh, 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 oh. Oh, oh, Gamma. Gamma. Let's go. Oh là 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 là. Le summum du flow. Le summum du flow. Il est là. La passe en profondeur. Après... Voilà, j'ai bien l'air d'un petit con là. Hein, avec un esprit guerrier qui peut pas attaquer et d'un mec qui peut pas se mettre en armure. Oh, libérez-moi. Oh, ça marque. Ça marque. Wunderbar, il n'y a que... Allez, c'est parti. Ombri, JP, deviens un bon goal. Deviens stylé, deviens fort. C'est tout ce qu'on te demande, s'il te plaît. Alors. Miximax, réussi. Ça a marché. Génial. Alors, pour le style...
pour le style, on est un peu passé à côté, je crois. flop, hein. Let's go, fin du match. Bon, on va aller regarder les marchands. Crampons. Alors, dernière fois, on avait trouvé des crampons. Les crampons classiques avec un de frappe et un de vitesse. Mais là, je pense qu'on a atteint le summum. Des crampons exercice, zéro frappe, zéro vitesse, et il te coûte zéro. Il manquait plus que ça. Mais pieds nus, c'est la même chose. C'est la même. C'est les mêmes. C'est le moment où j'avais. Allez, c'est bon. Les Miximax avec Victor et Okita. Allez, un truc stylé, s'il vous plaît. Un truc stylé, faut que Victor il glow up là un peu. C'est le moment. Oh, Cronus. Ok, ok, pas mal. Ah mais c'est là que Ryoma il va le sauver. Ying. Laissez passer cette occasion serait un effroyable gâchis, notre Ryoma. Allez, c'est bon. Je suis sur le coup. Allez, Ryoma, Miximax. Allez, dinguerie, s'il vous plaît, dinguerie. Un beau truc. Faut qu'il glow up Ryoma. Allez. En vrai, il a du flow. Et voilà le travail. En vrai, il a du flow. Ça va. Attends, mais c'est Darren. J'ai pas capté, mais c'est Darren, sort. Moi, ça va, ça va. Il est stylé, Darren. Oh, papa, sort est arrivé. Ah oh. Ouais. Il avait ses petits bras. Il avait ses petits bras en train de planer. Oh là. Oh, c'est magnifique. Oh, c'était magnifique. Donc là, c'est aléatoire, là, les... Ah ouais, c'est papa. Oh, j'ai peur. Assommer le gardien. Magnifique. Wesh, le dino. Il a la bouche un peu de travers. Oh, Big. Ah ouais, tu me fais peur, Big, là. Oh, j'ai des chocottes. Allez, c'est parti. Le Miximax de Faye et de Big, c'est maintenant. S'il vous plaît, une dinguerie. Donne-moi un perso stylé. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Il est... Il est pas dégueulasse. Mais il est pas stylé non plus. Ça va, ouais, c'est mid, hein. Match aussi. Oh oh, une telle... hein. Allez, c'est parti. Le power-up de Darren. Oh, wesh. Lui, il vole. Ok. Allez. Allez, Darren. Oh. Miximax réussi. Ouais, je préfère Darren. Ouais, je préfère Darren. Je pourrais faire mon rapport en disant, oui, bon, bah, le 11-05, je sais que...
j'étais en train de parler calmement. J'ai vu le coffre, je me suis dit, Belek, le coffre, je vais l'ouvrir comme ça. Tu vois, j'étais en train de me raconter la vie, tu vois, j'étais en train de parler, etc. Je vois, Pendragon. Attends, on lit tous la même chose, ouais, c'est écrit Pendragon. Let's go, c'est tout en fait. Je suis Arthur de Camelot, votre roi. Vas-y Arthur, montre-lui ce que c'est qu'un vrai couteau. Ah, c'est plus une épée, c'est un couteau. Un peu long, mais c'est un grand couteau. Vas-y, dis la formule magique. Hum ne sum fudum. Voilà, elle est libérée. Faut libérer les copains. Quoi? Pardon? Y'a Beilong en face. Ok, Beilong en défense. Ok, d'accord. Nior, ah ouais, ok, d'accord. Y'a Ricardo aussi, hein. Eh, pas mal, hein. Pas mal, Ricardo, hein. Allez. Goldie. J'ai peur. Oh non, je la connais. C'est mon attaquant d'Ango Galaxy. Je joue ce personnage. Exact, la reine des dragons a bien... Je joue ces personnages. Allez, un truc de zinzin, s'il vous plaît. Un Miximax avec le roi Arthur en personne. Vraiment, je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je sais pas. D'un côté, il est pas dégueulasse, mais d'un côté, il est pas ultra beau. C'est pas grave. Je m'en fous. Chemin de glace, et là, il y a but. Putain, il a tiré moins fort que tout à l'heure. Allez, 487. Alors peut-être. Oui! Foum! Et c'est le but! Légalisation! Ça part de là, mesdames et messieurs. Ça part de là. Gamma, il fait le taf. Il est présent. Oh là là, on a gagné Goliath, une boisson de sport, ticket extrême 1. Tiens, me faut droit de rire, tu me dis par là. Et bah, je vais tout sauf par là. Ah non, bah, bon. Ouais, je suis obligé de... Ouais, je te suis. T'es finalement... Ça alors, des revenants, Desmodus et Wolfram. Ok, bah, je suis dégoûté, voilà. Ils sont immondes. Ils ressemblent à rien. Ah, on a 5 niveaux de retard. En plus, en face, il y a Vulpine déjà, Miximax. Oui, Vulpine. Brèche de lumière. On a vu les stats des brèches de lumière, c'est broken. Attaque équipe ultime. Mais oui. Mais il se met bien, Vulpine. Bon, bah, je vais canner. Oh, Ofeille. Oh. Enculé. Même Samgook. Mais Samgook, il tire du milieu de terrain. Tu la vois venir, la balle. Tu la vois venir. Hein. Mec, il est comme ça. Putain. Venez, on fait un truc tarpin drôle. Tu vois, il y a personne. Je prends personne. Et je le mets en attaque. Pow. Oh là 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 là, le goal. Même le goal, il tire. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment la lose, hein. C'est vraiment la lose. Lorsque le goal te marque un but. La passe en profondeur à Victor. Victor qui récupère la balle. Allez hop. Tire katana ancestral. Yo. 295 de valeur. Ça va arriver au cage à 266. La brèche de lumière effectuée par... Oh là 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 là. On a gagné de 1 point.
un point. Vraiment. Et il y en a qui osent douter de ma chance. Il va falloir qu'on pense avec l'attaque, effectivement. Mais on est obligé de faire une égalité, donc... Oh! Pardon, je crie un peu fort. Oh, Xavier! Oh, qu'est-ce que tu fous ici? Bon, bah, pas grave, hein. On va devoir péter le cul à Xavier. Allez, la boîte à surprise. Piou! Boum! Normalement, il y a but. Voilà. Attends, vous avez vu le chronomètre? Non, on pose dessus. Voilà. Il est à 34. Il est à 34. D'habitude, l'arbitre, il me siffle à 30-0-0. Et là, il est à 34. J'ai rien fait de spécial. Oh, cette technique, elle est magnifique. Alors, 34-40. Et là, le match, il continue. L'arbitre. Oh, l'arbitre, tu veux pas... Hein, tu veux pas siffler. Oh, ça te dit pas, tu siffles un peu. Ah, j'ai marqué à la 38e minute, là. Oh, c'est les prolongations ou... ça va finir sur des scores de basket. Bon, est-ce que c'est officiel? Est-ce qu'on peut dire officiellement que je possède le record de la mi-temps la plus longue sur Chronostone all time? Oh mais Camark! Oh mais Camark, c'est gars! Oh là 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 là! Rien ne va plus! Rien ne va plus! C'est fini! C'est fini! Oh là là! Et qu'ils sont... Boum! Ah ouais, Psartek, les niveaux de retard. Je vous demande pardon, comment ça on affronte la gêne D? Il y a une gêne qui va se trimballer, elle va être comme ça la gêne. Oui, je suis perdu. Est-ce que ça serait pas l'éveil de Xanark? Ah si, je crois bien. Je crois bien que Xanark, là, il va prouver, hein. Il va prouver, hein, qu'il est le tout puissant. Mais aujourd'hui, l'inconnu le plus puissant de l'univers aboie, mord, griffe et déchiquette comme nul autre à la surface de la planète. Ah ouais? Ultra Xanark Mixima! S'il te plaît, donne-nous un perso stylé. Vraiment. Vraiment, ruine pas ce perso. Vraiment, ruine pas Xanark. Donne-nous un bête de perso. Oh, c'est Nathan! Voilà ce que ça donne quand on défie une tempête et qu'on gagne! Oh, Nathan! Vas-y, vas-y, montre-nous! Montre-nous! Oh là là, Okita contre JP, le match tout attendu. Okita est le fameux loup légendaire. Oh, on le connaît. Ah là là, il a utilisé plus d'une fois durant ce tournoi. Comment va réagir l'adversaire? Il sort la main du grand génie. Oh là 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 là, JP qui rentre dans la légende. Fin du match. Et ben voilà. Vous avez vu l'attaque de Xanark? Il a peut-être perdu un... Je suis le tout puissant. Mais il a quand même récupéré l'attaque Omega. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Le match est dans ton logis. Le dernier match de l'équipe de Raymond. L'équipe des Randoms. Un fond Ragna. Avec quand même un sacré paquet de niveaux de retard. La composition est la suivante. En attaque, nous pouvons retrouver Québec, Crusoe et Wu. En milieu de terrain, nous avons Black, Dream et Gushter.
La défense est constituée de lances de Trugno, de Shlinka, de Darren et le magnifique, le gardien 1B. Oh, ça consume tout. Bon, normalement, il y a but, hein. Rassure-moi. Rassure-moi, il y a but, quand même. Ouf. Ouf. On a encore eu de la chance. Alors là, si je marque. C'est une bénédiction. On a réalisé l'impossible et je viens de gagner un sub. Allez Arion. Shink. 372, c'est si peu. L'envol des ténèbres qui fait du 500, presque du 600. Oh là là, on a fini. C'est bon, le calvaire il est fini. Franchement, ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment pas. Hein. Oh, on a gagné la frappe du tigre. Main de l'infini, efficacité, sphère lumineuse, chaos. La vérité, franchement, j'aime bien le mode aléatoire. Parce que ça, il y a toujours des dingueries. Et qu'on rigole beaucoup. Voilà, c'est ça qui me plaît énormément. Par contre, tu vois, je serais chaud de refaire Galaxy en aléatoire. Ah, j'en ai rien à faire. Je peux le refaire en aléatoire.